Ladies, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers Robe de Rouge. Pour vous servir, on a roulé sur l'arène au dernier épisode. On a notre quatrième badge, rien que ça, oui. Et maintenant, on va aller s'occuper du casino, hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour récupérer le Scowl. Et voir les fantômes, tout ça, donc on n'a pas le choix. C'est par où le casino, excusez-moi. C'est là. Hop là. Bon, j'ai explosé l'arène, mais j'avais les bons Pokémon avec Démon et... Ouais, bon, en vrai, Gabi... Il était là pour tanker parce qu'il n'y a pas d'attaque. Mais c'est un peu un complexe pour lui, ne lui dites pas. OMG, un escalier est apparu. Repère Roquette. C'est des Pokémon électriques, il me semble, ici, non? Bouh! Tu as cassé nos plans. J'ai rien cassé du tout, promis. Un Ratatak, c'est pas électrique, ok, c'est Roquette. C'est les Ratatak, c'est les Abo. Gabi, mauvaise idée, je vais mettre mon petit Volfil. Volfil, la puissance à l'état pur, son corps c'est de la brique, voyez-vous. Oh, le croc de mort. Qui ne tue personne finalement. Attaque double pied. Pfff. Mort. Touché deux fois. Mort. Oh, bientôt la barre du niveau 30 aussi pour Valfield. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, je veux le niveau 30 pour Valfield. Il va rejoindre ses copains. Et il n'y aura plus que Gabi qui ne sera pas niveau 30, il me semble. C'est super efficace. Et voilà, niveau 30 pour Valfield, c'est mérité, bravo à lui. Bienvenue dans le club des 30, comme on l'appelle. Enfer! Non, non, tu ne t'en tireras pas comme ça. Cortorti. Très bien. Attends, je regarde un truc avant de te péter la gueule. Niveau 30, niveau 30, niveau 31, niveau 33, niveau 31. Ouais, il n'y a plus que Gab. Hein. T'es qui? T'as fait comment pour rentrer ici? J'ai mes petits secrets, tu sais. Soporifique, soporifique. Putain, mais y'a que Vivatak, ça craint quand même. Et si je regardais dans mes CT, je lui apprenais un truc, même si c'est pas feu. Alors juste pour changer un peu de Vivatak. Ou s'il se débrouille avec ça. Hein. Mais bon, c'est un peu la honte, je l'avoue. Hop là. Machoke va être envoyé, voulez-vous changer? Non. Oh, je suis pas sûr que Vivatak sur Machoke en vrai. Oh, ça va. Deux suffiront. Il suffira d'une étincelle. Étincelle que Gabi Magique n'a toujours pas. Et non. Oh, il se prend tellement de totes, le pauvre. En plus, je l'aime trop. Mais bon, là, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Aïe, je suis battu. Eh oui. C'est fermé ici. Ah oui, il faut que je regarde les CT du coup. Pas sûr d'avoir un truc bien. Hein. Je pense pas. Hein. Vol. Non, il peut pas voler. Flash, ça sert à rien. Coupe, c'est nul. Balgraine, il peut pas. Giga Sang, il peut pas. Rune Protect, c'est quoi? Ouais, retour. Attaque dont la puissance dépend de l'amitié avec le dresseur. Ouais. Combat, ouais. Ouais. Écoutez, rien de fabuleux quoi. Faut descendre, c'est ça? Deuxième sous-sol du repère Roquette. Le chef dit qu'on peut voir les fantômes avec un scope sylph. Les fantômes! Ouh, je suis un fantôme! Eh bien, monsieur, je ne voudrais pas vous déranger, mais vous faites un peu peur. Niveau 17, mais t'es hyper faible. Mais ça dégage. Hop là, bientôt le niveau 29 pour le Gabi. Le Gabi qui se prépare à entrer dans la cour des grands. Oh, dommage. On voit encore un peu, c'était réglé.
La deuxième vive attaque. Parfait. Niveau 29. Oui, ça passe. Toujours pas d'attaque à prise. Tannemort va être envoyé, voulez-vous changer? Non. Tannemort va être envoyé, voulez-vous changer? Non, toujours pas. Attaque vive attaque. En vrai, je vais tous les fumer avec vive attaque, quoi. Ah, je vous accorde, ça manque de panache. Hein. Y a pas des flammes partout, mais bon. Des fois, la simplicité suffit. Hein. Nasuraltu va être envoyé, voulez-vous changer? Non. Nasuraltu est envoyé, bravo. Il règle son compte à tout le monde. Je suis médisant parce qu'en vrai il est trop bon, mais putain mec, après une attaque feu, je t'en supplie. Ah non, j'ai envoyé contre attaque par contre, non, le croc de mort, je pense que... Oh, il est niveau 17, le dit. Un peu faible. Bon bah on va avoir réponse, est-ce que Gabi meurt ou pas? Pas du tout. Pas du tout, c'est une victoire encore une fois. Et 426. Vous avez battu Sbire, Team Rocket. Stop, je me rends. Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Quoi? J'ai rien dit. Par là. Tac, 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 tac. Tac, on récupère ça. Pierre lune. Ok, on passe par là. Hop, on va récupérer ça là-haut. Vitesse plus. Il y a plein de petites lampes qui clignotent. Ok. Là, je peux aller nulle part ailleurs. Je suis obligé de repasser par là, donc... C'est par là. Tac tac. C'est la même, non? Ah non, parce que là, je peux aller là, en fait. Suis-je bête? Là, je vais récupérer la Pokéboule. Voilà. Si je prends là, je remonte. C'est pas intéressant, donc je prends là. Je descends, tac. J'ai pas envie de remonter. Là-bas, ça remonte aussi. Par ici. Donc par ici. Donc on va par là. Voilà, parfait. Je suis un génie. Et là, je suis obligé de remonter de toute façon. Ok. Donc pour aller en bas. Par là. Par là. Voilà, je suis le boss. Zéro défi. Il y a plein de petites limpes. Oui, bon, comme... Repère Rocket. Il faut une clé. J'ai pas de clé. C'est embêtant, je les ai laissées dans mon sac à main. Repère Rocket. Hop là. Tiens, pourquoi t'es là? Ah ouais, il est pas très inquiet de voir un intrus apparemment. Ratatax. Change évidemment. Même s'il a dépouillé celui d'avant, on est d'accord. Hein. Mais le Rattata qui a toujours son creux de mort et on connaît pas son niveau. Le double pied. Le double pied et de 1. Oh mais c'est tellement fort, mais c'est tellement fort. En vrai, ils peuvent rien faire et c'est triste un peu. La Team Rocket qui sont censés être les grands méchants du jeu ne peuvent juste rien faire. Je roule sur la concurrence. Voilà. Voulez-vous changer? C'est quoi? C'est un Rattata, un Rattata que j'ai pas vu. Bon, tu sais quoi, Goldfield, amuse-toi un petit peu. Rattata encore. Allez, mets des doubles pieds à tout le monde. Des semelles un peu partout. Bim. Le Rattata qui a une trace de pied énorme sur le visage, là. Avec les orteils dans les yeux. Oh, non, ça, c'est fétichiste. Un Rattata. Mais je viens d'exploser de Rattata et tu m'envoies Rattata, pourquoi? Allez, ça dégage.
ça. Dégage tout simplement. J'ai battu Spear Team Rocket. Je suis pas à la hauteur. Je vais peut-être monter à l'étage d'au-dessus. As-tu compris ma blague? Oui, monsieur. C'est rempli de mots et de chiffres incompréhensibles. Sûrement un mot de passe Wi-Fi. Hyper potion, ça y plaise. On prend. On a besoin de soigner quelqu'un. Non, on voudrait être tranquille. On va tous se massacrer. Intrus, alerte, alerte. Oh mon dieu. Un intrus dans notre base. Elle est si bien cachée, tout le monde la connaît. Même le casino porte notre nom et pourtant... Allez, Gab. Le vive attaque sur le tas de mort. Ça watch-shot pas, ça watch-shot pas, je suis déçu. C'est pas grave, on continue. C'est win. C'est juste win. Smoko va être envahi, voulez-vous changer? Bah non. Bientôt niveau 30, en gros on va pas le laisser à la traîne. Oh le purée de poids. Oh non. Ridicule. Et casse-toi. Bientôt, ça y est. Ça y est, il va atteindre le niveau 30. Peut-être qu'il va apprendre une nouvelle technique, enfin. Peut-être qu'il va avoir un peu de classe, un peu de style. Qu'il va pouvoir se la péter avec son pelage. Et envoyer des flammes partout autour de lui. Oui, on pose. T'inquiète, on a quoi de soigner. Trois vives attaques, c'est un peu du gâchis. Hein. Pour un seul Smogo, je vais pas mentir, je suis un peu déçu. Mais peut-être niveau 30. Yeah, oui, ça passe au niveau 30. Le Gabi qui passe au niveau 30. Attention, une nouvelle technique peut-être. Morsure. Bon, c'est mieux que rien, quoi. On fait rugissement, on apprend morsure, c'est bien. J'aurais préféré une attaque feu, je vous le cache pas. Mais morsure, c'est déjà chouette. J'ai échoué. Antidote, antidote, antidote. Hop. Super potion, il m'en reste que 8. Hein. J'aurais peut-être dû prendre un peu avant d'aller attaquer la Team Rocket. Bon, tout le monde est passé au-dessus du niveau 30, hein, GG à vous, messieurs. Beau move. Mais moi je viens d'en bas, j'ai tué tout le monde, donc je vais où maintenant? Bah. C'est un téléphone, il vaut mieux ne pas l'utiliser. J'ai loupé un truc. Excusez-moi, monsieur. Le repère de la 4 niveaux souterrains. Ah mais oui, mais en fait, il faut que je descende encore. Genre toi, je t'ai pas battu, on est d'accord? Oui. On vous a prévenu de ton arrivée. Du coup, la moitié de l'équipe s'est barrée parce que t'es trop fort, en fait. Machoc, machoc, machoc. Allez, regarde. Une vive attaque, comme ça on prend l'avantage de la vitesse. Critique, attention. C'est win. Machoc va dire, voyez, voulez-vous changer? Oui, on va un peu changer maintenant qu'il est niveau 30. On va mettre qui Vas-y, Yas, ça fait longtemps. Il n'a jamais combattu sous sa forme de Raichu, en vrai. Il y aura un peu une patate avec des oreilles. Attaque honte de choc. Easy. T'es battu, Sbire, Team Rocket. Quoi? J'ai perdu? Mais comment? Qu'entends-je? Frustration. À quoi ça peut bien servir? Vaut mieux ne pas y toucher.
Et les jeunes de la Team Rocket, ils seront pas très contents. Alors, là, on n'a pas le choix, sauf si on part à gauche là-bas. Là, ça mène où? On peut récupérer la Pokéball, c'est bien. Mais c'est tout ce qu'on peut récupérer par ici, de toute évidence. Passons par ici. Là, on va là-bas, on retourne là-bas, ok. Là, on monte. Là, on descend. Donc, c'est là le bon chemin. Bonjour, monsieur. Ne te mêle plus des affaires de la Team Rocket, sinon, quick, quick, je te transforme en steak pour la rime. Ah, Tata, il est envoyé par un sbire Team Rocket. Ah là là, la simplicité. Mon équipe est devenue beaucoup trop forte. Voulez-vous changer, ouais. Qui va s'amuser, Demon? Donne, allez, donne. C'est long. Ah, t'attaque est envoyée. Attaque force cachée. Bah 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 bah, un combo. Mort. Oh, il lui reste 0,0001 HP. C'est le moment de faire un peu de thune. Touf. Voulez-vous changer? Bah non. Est-ce que j'ai besoin de changer, franchement? Je pourrais faire tout le jeu avec lui. Il est juste trop fort en fait, attaque feinte. Hop, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite et non, je suis à gauche. C'est super efficace. Oh non, t'endors pas, donne s'il te plaît. Aucun effort. Aucun effort. Hop, qui va le finir? Ah, il est mal. Bon, t'as déjà réduit en miettes la dernière arène, mais bon. Mais tu t'amuses toi aussi. On lui fait un petit choc mental là. Rentre dans sa tête, éclate-lui la trompe. Bravo, c'est beau. T'es battu sbire, Team Rocket, sur ta pire. Oui, effectivement, oui. Hop, je récupère ça. Lunettes noires. Ça sert à quoi les lunettes noires à part avoir un air mystérieux? On entend la puissance des attaques ténèbres. Ok, c'est bon à savoir. Huile max. On est au quatrième sous-sol, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure et... Bisous. Waouh, cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.